Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Bah là je vous retrouve sur Horizon Forbidden West pour vous faire l'épisode 4 d'une incroyable aventure. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout activez la cloche. Allez c'est parti, let's go. Voilà nickel, on va pouvoir avancer tranquillement. Hop, je l'ai éliminé. Ah, j'aurais pu le prendre pour aller plus vite. Donc allez, on va avancer. Pourquoi tu veux que je le pousse? Ok, bah je vais le libérer, allez c'est parti. Merci infiniment, sauveuse. Juste à l'œil, ça ira. Eren m'a prévenu que t'aimais pas les titres honorifiques. Vous êtes l'avant-garde? On est là pour escorter les miches délicates de Voidi jusqu'à l'ambassade. Si on arrive à éliminer ces fouisseurs... Le capitaine nous a dit qu'on devait surveiller Skorok. C'est là que ces horreurs sont arrivées. On a donné une raclée au premier. Mais j'ai pas vraiment eu le temps de l'esquiver quand il est tombé. Je t'avais bien dit que c'était pas une très bonne idée de manger autant avant de partir. Je devrais peut-être reprendre la route. En revanche, si tu croises un autre de ces fouisseurs... Je penserai à m'écarter quand il tombe. Tu devrais emporter ça avec toi, au cas où. Ça pourra t'être utile. Merci. Sois prudente, Aloy. Déployer des bombes fumigènes pour perturber les ennemis proches et retourner vous cacher. Les bombes fumigènes peuvent également être utilisées sous l'eau, ok? Cool, ça c'est bien ça. Allez, on va récupérer quand même des trucs parce que je vais en avoir besoin. Surtout des plantes pour se soigner, c'est important. Comme ça, je pourrais me soigner si je me fais attaquer. Ah vraiment, je kiffe ce jeu. Vraiment, je vous conseille de le faire. C'est vraiment un très très bon jeu. Hop, je fabrique des flèches, voilà. Ah oui, j'ai pas encore testé cette nouvelle arme. Faudra que je teste. Mais en vrai, si vous faites ce jeu, je vous conseille de faire Horizon Zero Dawn avant. Comme ça, vous serez pas perdu dans l'histoire. Parce que c'est vraiment la suite de l'histoire. Donc je vous conseille. Allez, on avance. Ah bah voilà, il y a des traces, non? Affiché. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Allez, c'est parti. En même temps, voilà, on récupère tout ce qu'il y a à côté. En même temps, je vais suivre sa trace. Donc vraiment, je vous conseille de récupérer un maximum de ressources. Ça vous aidera dans la suite de l'aventure. Allez, monte. Voilà! C'est pour ça que j'ai été forgé! Pas de registre à remplir! Patrouille ennuyeuse! Juste le marteau! Et le combat! Aloy? Erend! Reste où tu es, je m'occupe du reste. Bah allez, c'est parti, on va s'en occuper. Si je tire dessus avec des flèches acides, okay. Ça peut provoquer une réaction en chaîne. Sur le dos. Allez. Je vais tester son truc. Est-ce que ça les glace, ça? Ah ouais. Ouah, je les ai explosés. C'était incroyable. Une bobine est désormais disponible dans votre inventaire. Débloquez des emplacements de bobines sur vos armes en les améliorant. Équipez les bobines que vous récupérez ou acheter pour améliorer les performances de votre arme. Ok, cool. Allez, c'est parti, on prend ça. Voilà. Ah, c'était beau ce petit combat. J'ai vraiment bien aimé. Et on va aller lui parler tranquillement. Tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur. J'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça. Écoute, c'est surfait. Oh, oh. Ça va, ça va. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couloir pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu.
que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche... Ce qu'on a fait... Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment ? Mais c'est génial ! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule. Bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu... On va avoir besoin du prêtre du soleil. Vouadis, le studieux. Ah, oh, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Vouadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi ? Toi, t'excuser ? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien, laisse tomber, d'accord ? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça ? Donc, les embranchements représentent un choix émotionnel. C'est à vous de décider de quelle manière Aloy va exprimer son caractère. Si vous choisissez, Aloy affrontera la situation de façon abrupte. Aloy tentera une approche moins frontale en faisant preuve de sagesse. Permettra à Aloy d'exprimer sa compassion ou ses convictions profondes. Allez, je vais mettre ça, je n'avais pas le choix. Je sais pas si c'est la bonne décision, on verra. Rend, écoute. Je suis désolée que ça ait été compliqué quand je suis partie. Et je sais que ça l'est toujours. Mais tout ce que je fais... La vie sur Terre est en danger. Et moi seule peux la sauver. La vie sur Terre ? Ouais. Tout mourra si je ne réussis pas. Alors laisse-moi t'aider ! Impossible. Il n'y a aucune machine à combattre, aucun méchant à tuer, ce que je dois faire... Je ne peux même pas l'expliquer. Pas même à ceux qui comptent pour moi. Tu sais, je voulais juste te rendre service. D'accord. Eren, par la forge. Va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, vraiment, t'as d'autres choses à faire. Apparemment. On va se débrouiller sans toi. Bah allez, c'est parti, on va continuer à avancer, donc c'est par là-bas. Rejoignez la source des explosions, pas de soucis, bah allez, on s'y rend tranquillement. Donc c'est par là-bas, c'est à 400 mètres. Ouais, je refais des flèches comme ça, voilà, ça je vais en faire. Voilà, nickel. J'ai 10 sur 10 en soins, donc c'est pas mal. Je vais pouvoir me guérir si je me fais attaquer. Allez, on avance, on va les détruire, faut bien tirer dans les trucs verts. Allez, yes. Ouais. Allez, yes! Faut que je me refasse des flèches empoisonnées, là. Allez, je vais en refaire, voilà. Oh, yes! Allez. Ouais. Faut que je me soigne, voilà. Allez. Ah, c'est bon. Oh, yes! Ça, c'est beau, ça. Lui. Allez. Oh, vite, remets-toi de la vie. Allez. Oh, yes! Ça, c'est beau, ça. Oh, l'esquive! Incroyable! Allez, le petit ralenti! Ah, c'est bon! Voilà! Incroyable! Donc, allez, faut que je lui parle! Allez, c'est parti! Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés.
Et en moins de deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien ? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Moi, je vais y aller. Je vais avancer dans les quêtes. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. En tout cas, c'était vraiment cool, ce petit combat. Allez, on va avancer. Aïe, je vais sauvegarder ici, voilà. Faire une petite sauvegarde manuelle. Mais en tout cas, c'est magnifique, regardez ça. Voilà là, avec les montagnes et tout. Vraiment, j'en prends plein les yeux. Plus qu'à faire partir voie 10 pour Kania. On a l'air d'être arrivé dans un village. Ah, c'est par là. Donc allez, c'est parti. On va aller lui parler, tranquillement. La route menant à Kania est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien? Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Non. Je ne me rendrai nulle part tant que le sifflet n'aura pas retenti. Si c'est trop dangereux pour eux, alors ça l'est également pour moi. D'accord. Je ferai en sorte que le sifflet retentisse et je reviendrai. Tu as entendu? Nous ne partons pas encore. Sors les bagages! Non. Je reviens tout de suite. Ne vous installez pas. Comme si c'était envisageable. Allez, c'est parti. On va aller lui demander d'utiliser le sifflet, c'est juste là. Ah, c'est juste en bas. Allez, on va lui parler. Ils les ont fait passer par les portes de Cagnard. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce que tu veux, Ulvund? Un genre de rétribution? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs. Et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos. Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'Hélium? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, les ventreuses d'hélices. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ulvund le rentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher au soie et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade? Par la forge. Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein? Allez, file. Pas si vite. Bah, je vais lui dire de faire retentir le sifflet. Ouais, faire retentir le sifflet. Allez, c'est parti. Éliminer tous les fouisseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie de Seram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi, fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Super. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais! Ça fait plaisir! Ouais! Wouh! Ouais! Ouais! Tu ne devais pas assister à une ambassade? Oui, tu as raison.
Les marchands sont disponibles. Vous pouvez y acheter de nouveaux équipements, refaire vos réserves et vendre des articles inutiles. Les articles de la section objets de valeur à vendre peuvent être vendus sans crainte. Il existe de nombreux types de marchands. Les tailleurs vendent de nouveaux vêtements, nouvelles tenues protectrices. Les chasseurs vendent de nouvelles armes puissantes. Les herboristes vendent des potions essentielles. Les cuisiniers vendent de la nourriture qui booste vos compétences. Les autres marchands ont leur propre stock unique. Pensez à aller voir les marchands que vous croisez. Ok, pas de soucis. Ah bah voilà, ça c'est un marchand ça. Ok, donc il y a des tenues. Ok. Waouh, elles sont stylées. Mais je verrai ça plus tard. Donc allez, je vais aller à la mission qui est juste à côté. Et on verra ça plus tard au niveau des boutiques. On pourra y retourner tranquillement. Allez, on va lui parler. J'ai entendu le sifflet. Il faut y aller. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Cagnard, voix 10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Ok, donc on a terminé la quête principale. Donc on va se rendre à la prochaine quête principale tranquillement. Donc ça a l'air d'être quand même assez loin. Allez, c'est parti. On la pirate. Voilà, nickel. Les décors, ils sont vraiment magnifiques. Ok, on peut pas rentrer avec le cheval robotisé. Ah, je peux faire le plein dans ma réserve. Rapprovisionner tous les catégories. Hop, voilà. Ça, c'est cool quand même. Donc, allez, on y va. On va aller lui parler. Allez, c'est parti. C'est toi le responsable? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy Denora à Cagnard? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'Ouest. Et maintenant que Voidis, le studio, est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes alors, il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au sérame, ou bien quelques carjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Où est Nozar? Où est le commandant Nozar, alors? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Par là. Allez, on va aller le suivre tranquillement. Le travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui. Je suis sûr que vous le déterrez. Allez, il veut pas avancer plus vite. Il est vraiment lent. Voilà le commandant. Bon courage. Ok, bon, on va aller voir. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares? Ah. Aloy, c'est bien ça? Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal? Les deux parties doivent donner le signal. Et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard?
La tribu des Ténac est composée de 3 clans. Combien de bannières vois-tu? Vous allez attendre? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridian et dépose une plainte. La Méridian que j'ai sauvée, tu veux dire? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la corne des Ténac ne sonne. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridian. Allez, je vais mettre, j'y vais. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis! Continuez de vous offusquer. Quelqu'un approche! Sur une machine! Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer ces portes! C'est un ordre direct! Désolé, impossible. C'est la sauveuse! Même si c'était la guerrière elle-même, jusqu'à ce que la corne sonne. J'ai été poli. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Varl. Salut, Erend. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, Aloy veut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça n'a pas marché. Ça suffit! Qu'on l'arrête. Ah, vous pouvez toujours essayer. Un petit coup de main? On est paré. Hé, hey, Nozar, espèce d'imbécile heureux. Tu crois vraiment être habilité à fermer ces portes à la sauveuse de Méridian? Comment va réagir le roi Soleil Avad en apprenant ce que t'as fait? Il va t'augmenter, hein? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridian? Écoute, Varl. Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Ah, c'est cool! Il va continuer l'aventure avec nous! Allez, on récupère tout ça! Allez, on avance. Ah, il y aura un endroit pour sauvegarder, ça c'est cool. Donc on va pouvoir sauvegarder juste à côté. Donc ça c'est bien. Bon. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord? Pourquoi envoyer une enfant? Ils veulent parlementer, oui ou non? On ne peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste Aloy. Fachave l'inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du couchant. Je te prie de pardonner à mes camarades. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate.
Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que, sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement à aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage. Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a 6 mois, le monde a failli s'éteindre à Méridian. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridian. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux. Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Ekaro connaît l'Ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que Regardez La bannière du clan du ciel. Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant? Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des 3 clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Qu'est-ce qui se passe? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karja, mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karja ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Regala. La plus grosse erreur du chef Ekaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang? Le sang des Karja! Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi! Ekaro nous a trahis! Cette ambassade en est la preuve! Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices! C'est pourquoi je vous condamne à mort! Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider! Exilé. Lancier, en formation. Ah.
Ils montent des machines ? Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Fashav ! Rejoins-nous maintenant ou jamais ! Archer ! Incendiez-les ! Vite à l'abri ! Archer, repoussez-les. D'ouverture. Allez, c'est bon. Allez, on continue. Allez, il doit en rester quelques-uns. Allez, c'est bon, on a réussi. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis!